Allez, vous autres. Cela est fort intéressant. Tu es pressé ? Moi qui avais l'intention de te poter le cul jusqu'à Orléans ! Halte ! Arrête-toi donc, gradin ! Je vais t'écraser, enfant de putain ! Pour la révolution ! De la main-d'œuvre retaillée de sa grâce ces derniers temps. J'ai à peine gagné un denier cette semaine. Comment veut-il qu'on attire l'œil face à des triples amputés et à des soldats estropiés ? Si tu manques encore un tribut, tu te souviendras de tes glorieux combats à Grunberg. Les armes sont les bienvenues. Je veux celle-là. Quelqu'un devrait appeler la... Allez. Ma femme me trompait.
un homme bien étrange. Je préfère vraiment ne pas me manquer une vieille sang. Viens ici, espèce de lâche, et tout de suite! Espèce de veau sans cervelle! Approche que je t'écorche vif! Halte! Plus au geste! Ah!
s'est-il passé? Les mendiants! Ils se soulèvent dans tout le quartier! Revenez avec moi! Votre grâce! J'ai appris de source sûre qu'un assassin rôdait et que qu'il comptait s'en prendre à vous! Voilà qu'il se fait plus coriace. De ver, il devient serpent. Diantre! Je savais que ce n'était qu'une question de temps.
Mais cela est bien trop tôt. Oh, oui, votre grâce. Les assassins sont bien renseignés. Mais c'est nous qui avons l'avantage, n'est-ce pas? Rassemble la garde et donne la chasse à cet assassin. Rapporte-moi sa tête. Mais, votre grâce, la moitié de nos hommes est aux prises avec les mendiants en révolte. Vous ! Avec moi ! Trouvez-le ! Il ne doit pas passer. On va aller voir. Hein? Mais qu'est-ce que... Quelque chose se prépare. Restez sur mais vos gardes. Qui s'en prend à nous? On m'amène celui qui a fait ça. Et vite. Montre-toi, sale lâche. Contre-toi, sale lâche!
est là-bas. J'ai honte pour lui. Bon sang. Le dernier apprenti des béliers m'a apporté les plus merveilleux des présents. J'espère qu'il en fait autant. Diable. Oh, tu utilises encore ces pauvres petits couteaux. Je suis juste derrière. Je te vois. Le dernier apprenti des béliers m'a apporté le plus merveilleux des présents. J'espère que tu en fais. Serais-tu moins malin que tu ne le penses? Je ne te laisserai pas t'enfuir! Quel trophée vais-je pouvoir prendre sur toi? Tu vis tes derniers instants! Je te vois! Prends garde à toi, assassin! Non, non! Pas si près! Utilise encore ces pauvres petits couteaux.
cachés. Ravi de te voir, assassin. J'aurais dû me douter qu'on en arriverait là. Serais-tu moins malin que tu ne le penses? Bon sang, je ne dois pas le perdre! Non, non, pas si près. Je le mets au service de l'ordre. Et que pourrait nous apprendre un roi des égouts? Les intrigues des rats? Tu peux disposer. Les intrigues des rats? Idiot prétentieux, si jamais je mets la main sur lui. Mon maître serait ravi d'arranger ça. Mon frère. Tout va bien, monsieur? Vous avez abusé du champagne? Sifer, il faut partir. C'est fait. De la serre est mort. Bien. Tu arrives à temps pour l'avènement de mon règne. Votre règne? Tant qu'il existera une cour des miracles, il doit y avoir un roi des thunes. Puisque la place semblait vacante, je l'ai prise. Vous n'avez pas perdu de temps, son corps est encore chaud. Peut-être ai-je légèrement anticipé sa destitution. Disons, dès que tu es apparu à la cour des miracles. Vous vous êtes servi de moi. Ta cible est morte?
Nous nous sommes servis l'un de l'autre. Vous avez hérité d'un étrange royaume. Eh oui, n'est-ce pas? Alors, justice a-t-elle été rendue? Les vengée? Ton âme apaisée? Le bien a triomphé? J'en suis encore loin, Marquis. Chaque fois que je crois toucher la vérité du doigt, une nouvelle couche de mensonges me barre la route. Oh, une conspiration, une intrigue, un complot qui s'épaissit à vue d'œil. Il ne manque qu'un brin de bestialité et un prélat lubrique pour tenir le début d'un magnifique roman. Je préférerais une piste solide. Si jeune. Et déjà si sérieux. Eh bien, bonne chance à toi. J'imagine que tu as jeté un œil à ceci. Où avez-vous trouvé ça? L'un de mes fidèles sujets me l'a apporté. Un certain gage d'estime, s'il en est. Oh, un objet étrange. À ma connaissance, une seule personne sait travailler le métal de cette façon. C'est une lame comme celle-ci qui a tué Monsieur de la Serre. Mais j'imagine que cela, vous le saviez déjà. Pourquoi n'avoir rien dit? Où en serait l'homme s'il n'avait jamais dû se poser de questions? Si tout ce qu'il avait toujours voulu savoir lui avait été remis sur un plateau d'argent, aurait-il oublié qu'il pouvait s'interroger? Ou se serait-il débarrassé de son ignorance pour surpasser ses piètres limites? Peut-être, oui. Cet artisan s'appelle François Thomas Germain. Tu trouveras son échoppe près des Halles. Merci. Bonne chance. Cache quelque chose. Oui, je suis là.
le travail n'attend pas, c'est ça. Bonjour, citoyen. Vous avez triste mine. Cela fait des mois que je m'efforce de contrôler la confrérie, l'assemblée et le roi. Ensemble, ils ont tout au plus l'intelligence politique d'un conseil de villageois ignorant. Je pense que cela excuse mon manque de prestance. N'y voyez aucun manque de respect, Mentor. Seulement de l'inquiétude. Ne pleure pas pour moi, Arnaud. Pleure pour la France. Mais oublions la politique. J'espère que tu as de meilleures nouvelles. Qu'en est-il des meurtriers de Delasseur? Le roi des mendiants est mort. Il avait ceci sur lui. Repose en paix. Tu devrais le garder. Il ne servira à personne s'il moisit au fond d'une crypte. Sois-en digne. Merci. J'essaierai. Et ta mission? Le roi des mendiants et Siver n'étaient que les pions d'une partie bien plus vaste. Quelqu'un les a envoyés tuer Monsieur de la Serre. Les Templiers ne peuvent rien faire simplement. Que sais-tu au sujet de ce mystérieux joueur d'échecs? Ma seule piste est l'objet qui a servi à tuer Monsieur de la Serre. Une épingle, fabriquée par un orfèvre du nom de Germain. Mais j'ignore encore quel rôle il joue. Ta voie est donc toute tracée. Trouve cet orfèvre. Découvre quel est son rôle.